Le Seigneur soit avec vous. Et avec ton esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et il les emmena à l'écart, sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Son visage devint brillant comme le soleil et ses vêtements blancs comme la lumière. Voici que leur apparurent Moïse et Élie qui s'entretenaient avec lui. Pierre alors prit la parole et dit à Jésus, « Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je vais dresser ici trois tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Pierre parlait encore, lorsqu'une nuée lumineuse les couvrit de son ombre, et voici que de la nuée, une voix disait, « Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui je trouve ma joie, écoutez-le. » Quand ils entendirent cela, les disciples tombèrent face contre terre et furent saisis d'une grande crainte. Jésus s'approcha, les toucha et leur dit « Relevez-vous et soyez sans crainte. » Levant les yeux, ils ne virent plus personne, sinon lui, Jésus, seul. En descendant de la montagne, Jésus leur donna cet ordre « Ne parlez de cette vision à personne avant que le Fils de l'homme soit ressuscité d'entre les morts. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Une vision, une apparition, une vision. Trois apôtres, seulement, sur 12. Mais ça continue. Il y a certainement dans notre assemblée des fidèles qui, d'une manière ou d'une autre, ont connu des visions. Alors, on va demander. Ben, vous savez, je l'ai fait hier, il y a deux mains qui se sont levées, hein, on n'était que 20 à la messe du samedi soir. Alors, s'il y en a parmi nous qui ont eu la chance d'expérimenter des visions. Ça peut continuer, vous savez, ça continue. 3 sur 12, ça fait 25%. Donc, frères et sœurs, 25% de notre assemblée, a priori, a pu avoir la joie de connaître une forme de vision. Et en même temps, vous me direz, ben, il y en a 9 sur 12, ils n'ont pas eu la vision. Sont-ils défavorisés? Moi qui témoigne ne pas avoir eu de vision dans ma vie chrétienne, suis-je défavorisé? Ah, vous devinez la réponse. La réponse est non, on n'est pas défavorisé. Parce que la vision, elle veut mener à la parole. Alors on va suivre ce chemin, puis réfléchir pour nous-mêmes comment aujourd'hui, eh bien, vision et parole peuvent soutenir notre vie chrétienne. Alors Jésus prend à l'écart seulement trois apôtres, Pierre, Jacques et Jean, qui étaient avec les autres quand même en difficulté, parce que juste avant l'évangile de la Transfiguration, eh bien Jésus a annoncé pour la première fois sa passion. C'est-à-dire qu'il allait mourir sur la croix. Et vous savez que ça n'a pas été bien accueilli. Pierre s'est opposé, les autres ne comprennent pas. Donc ils sont dans le doute, ils sont bousculés. Ils se disent, mais est-ce que c'est bien Jésus, le Messie? On ne nous avait pas dit, on ne savait pas qu'il fallait que le Messie souffre. Alors Jésus emmène ces trois-là à l'écart de la vie quotidienne, à l'écart de leurs préoccupations, à l'écart de leurs pensées habituelles, et en plus sur une haute montagne. Il les élève, et là, il y a effectivement cet épisode extraordinaire où le visage de Jésus est transfiguré, transfiguré. Il y a une lumière qui jaillit de lui. Alors, ça rappelle quelque chose. Dans l'Ancien Testament, Moïse a eu une expérience mystique de face à face avec Dieu,
Et la Bible nous dit que quand il est redescendu de la montagne, son visage était assez lumineux, mais pas de la même manière. Le visage de Moïse était lumineux à la manière de la lune. La lune, elle est lumineuse parce que le soleil l'éclaire. Mais ici, c'est de l'intérieur du Christ, de Jésus, que jaillit une lumière bien plus puissante. Moïse, c'était la lune, Jésus, c'est le soleil. Il est lui-même porteur de cette extraordinaire lumière, et cette lumière, c'est la lumière de Dieu. Et donc, dans un flash, Pierre, Jacques et Jean ont la révélation, la certitude que Jésus est associé tellement intimement à Dieu que jaillit de lui Jésus, cette lumière qui n'appartient qu'à Dieu. Voilà la première chose qu'il leur est donnée par révélation. Mais il y en a une deuxième, c'est qu'à côté de Jésus lumineux comme le soleil, eh bien, apparaissent tout d'un coup Moïse, tiens justement à nouveau, et le prophète Élie. Pourquoi ces deux-là? Ben, Moïse, c'est la plus grande figure de l'Ancien Testament, il a reçu la loi, il a été face à face avec Dieu. Et puis Élie, à la fin de sa vie, il n'est pas mort comme tout le monde. Il a été élevé au ciel dans un chariot de feu. On le considère donc vraiment comme celui qui a été un des plus privilégiés de Dieu parmi les prophètes. Et pourquoi sont-ils là? Eh bien, pour que les apôtres comprennent que tout l'Ancien Testament, la loi, les prophètes, convergent vers Jésus. Et vers Jésus qui vient d'annoncer qu'il doit donner sa vie sur la croix. Vous voyez, c'est un peu comme les pièces d'un puzzle qui commencent à s'assembler dans l'intelligence des disciples. Non seulement ils voient la gloire de Jésus, mais ils voient au sens de comprendre. Parfois on dit ça. T'as compris? Oui, je vois, je vois. Eh bien, ils voient que Moïse et Élie, c'est-à-dire tout l'Ancien Testament, confirment ce que même jusqu'ici n'avaient pas compris, c'est-à-dire que Jésus, tout lumineux qu'il soit, ira donner sa vie sur la croix et doit vivre sa passion. Alors c'est tellement extraordinaire que Pierre voudrait bien retenir cet instant. Aujourd'hui, il ne ferait pas pareil, il ne dirait pas « mettons des tentes », il dirait « tiens, passe-moi ton portable, s'il te plaît, on peut prendre un selfie là, tous ensemble, on voudrait conserver ça ». Mais ce n'est pas possible. C'est comme un flash, c'est quelque chose qui ne peut pas durer, qui est à conserver dans le cœur. Et au moment même où Pierre voudrait mettre ça sous cloche, sous tente, eh bien, deuxième épisode de notre récit le plus important, tout d'un coup, une nuée lumineuse s'approche, c'est la présence de Dieu le Père. Et là, les disciples comprennent ça tout de suite, ils sont saisis d'une crainte religieuse, car après tout, on ne peut pas voir Dieu en face, on risque d'être comme foudroyé. Alors, ils se cachent, et la voix de Dieu dit, comme au jour du baptême, « Celui-ci est bien mon Fils bien-aimé en qui je mets toute ma joie, écoutez-le, écoutez-le. » Et après, il n'y a plus que Jésus seul. Il s'approche des disciples, il les touche, « Relevez-vous, il se lève, il n'y a plus que Jésus. » Mais maintenant, les disciples, Pierre, Jacques et Jean, voient Jésus autrement. Extérieurement, c'est toujours le même. C'est son visage d'homme, familier, amical, cordial, miséricordieux. Mais eux, maintenant, voient au travers de Jésus comment filigrane cette lumière. Et ils ont dans l'oreille la voix de Dieu même qui leur a dit « Écoutez-le ». Dieu n'a pas dit « Regardez-le ». Dieu a dit « Écoutez-le ». Mais il ne faudra pas en parler tout de suite. Vous en parlerez après ma résurrection, dit Jésus. Pour l'instant, ça ne pourrait pas être compris. Gardez ça dans votre cœur. Alors, frères et sœurs, 3 privilégiés sur 12, 25%, très bien. Ben, il en reste 3 quarts, 75%. Les 9 autres apôtres qui pourraient dire, comme vous et moi, ben, très bien, Pierre, Jacques et Jean, vous avez eu de la chance. Maintenant, votre foi est affermie. Et puis vous avez compris que le Christ doit souffrir et ressusciter, mais nous on n'a pas vu tout ça. Alors qu'est-ce qui nous reste? Eh bien il nous reste, frères et sœurs, l'essentiel. Car la voix du Père n'a pas dit « regardez », mais elle a dit « écoutez ». Et quand la voix du Père parle de son Fils en disant « écoutez-le », il parle de l'Évangile. Toutes les paroles, tous les faits et gestes du Christ sont dans l'Évangile.
et deviennent aujourd'hui paroles vivantes. Tandis, frères et sœurs, le chemin de la foi, c'est pas d'abord d'attendre des visions qui nous seront données ou qui ne nous seront pas données, mais elle est pour tous, 100%, d'écouter la parole. Alors, pour notre chemin du carême, premier conseil, ne cherchons pas midi à 14h. Je suis content que beaucoup de chrétiens lisent des livres de piété. Je suis content qu'il y ait des catholiques qui soient attentifs à des messages pour peu qu'ils soient authentifiés par l'Église. Mais avant tout cela, il y a l'Évangile. Il y a l'Évangile, frères et sœurs. On ne peut pas écouter la parole de Jésus si on n'écoute pas à nouveau sa parole. On ne peut pas l'écouter distraitement. À la messe, ça ne suffit pas d'écouter une fois l'Évangile. Même l'homélie ne suffit pas, il faut y revenir. Comment ? Eh bien, en relisant avant la messe, après la messe, ce soir, dans la semaine, l'Évangile. Jusqu'à le connaître par cœur. Tant qu'on ne le connaît pas par cœur, je veux dire par le cœur, d'une certaine manière, on ne l'a pas encore assez écouté. Alors, il ne suffit pas de lire beaucoup, il faut que cette parole infuse en nous. Alors voilà un bel effort de carême tout simple. Seigneur, je vais relire l'Évangile du jour, je vais le méditer et surtout je vais me demander, dans le secret de ma prière personnelle, quelle est la parole, Seigneur, que tu m'adresses dans cet Évangile aujourd'hui pour moi. Voilà pour l'écoute. Mais l'écoute aussi peut mener à ouvrir les yeux. Vous savez, la vision, ce n'est pas toujours des choses extraordinaires, un peu comme des grandes apparitions. La vision, c'est aussi quand les yeux de la foi s'ouvrent. Et on va donner un exemple très simple, puisqu'on va être amené à le vivre dans quelques minutes. À la messe, la parole de Dieu ouvre notre cœur, mais après, il y a les gestes du dernier repas. Et là, tous les disciples étaient présents. J'ai envie de dire, en une expression un peu étrange, la transfiguration, c'est un apéritif. Le repas, c'est la scène du Seigneur. C'est pas grave si vous avez manqué l'apéritif. L'important, c'est d'être là au repas. Et le repas, c'est maintenant. Et quand le prêtre, au nom du Christ, porté par le Christ, prononçant les paroles du Christ, faisant les gestes du Christ, va prendre le pain et le vin et va élever ce pain devenu corps du Christ, ben, frères et sœurs, c'est un petit moment de transfiguration. Parce que si nous regardons par la foi cette hostie, eh bien on va la trouver lumineuse. On va la trouver lumineuse parce que c'est la présence de Jésus. Mais ça, c'est la parole qui a préparé notre cœur à ce petit flash qui nous est donné, il faut qu'on l'accueille, à chaque Eucharistie, d'être émerveillé, illuminé par ce moment-là, qui va bien sûr après se prolonger par la communion, bien évidemment, mais ce moment particulier de l'élévation, comme à l'écart, sur une haute montagne. Donc, deuxième conseil, bien sûr, à la messe, rendons-nous attentifs à ce moment particulier, comme un moment de transfiguration. D'ailleurs, le pain et le vin sont transformés, transfigurés, mot technique un peu savant, transsubstantiation, mais tout ça, ça veut simplement dire que c'est le Christ qui se rend présent, lumineux et vivant parmi nous. Voilà l'écoute de la parole de Dieu, être attentif à la messe, à ce petit moment essentiel de transfiguration, au moment de l'élévation, pour reconnaître la présence de Jésus. Et du coup, pendant notre semaine, et bien peut-être aussi qu'on va retrouver un écho de cette transfiguration, là aussi dans le visage des autres. Voyez, la lumière du Christ, elle vient se refléter sur notre visage, mais aussi sur le visage des frères et sœurs. Un beau sourire, un bonjour, un regard bienveillant, le nôtre, mais aussi celui que nous recevons d'un frère ou d'une sœur, eh bien ce sont aussi dans la semaine comme des sortes d'échos, de répliques, de reflets, de cette grande transfiguration du Christ. Et si on s'est tourné les uns vers l'autre au début de la messe pour se saluer, s'échanger nos prénoms, c'est aussi pour pas qu'on voit seulement le dos ou le côté de ce frère et de cette sœur, mais pour qu'aussi je vois ton visage, ton regard, ton sourire, et qu'y je reconnaisse un reflet
de la lumière du Christ, puisque cette lumière, elle habite en nous. Nous l'avons reçue au baptême. Alors oui, Pierre, Jacques et Jean, par un certain côté, ont été privilégiés, mais tous les apôtres, et nous tous aussi, sommes privilégiés et aimés du Seigneur. Amen.